Bonjour, Marc-André Caron, formateur chez Brouille-Boutillier. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la petite abeille Bluebot. La Bluebot, comme sa petite sœur, la Beebot, est un outil ludique pour les élèves du préscolaire et du primaire qui favorise l'apprentissage par le jeu. Mais la Bluebot vous en offre plus. Comme avec la Beebot, la Bluebot peut être programmée en utilisant les boutons qu'elle a sur son dos. Mais on peut aussi la programmer à l'aide d'une application via iPad. On établit une connexion Bluetooth entre la tablette et l'abeille, et voilà, les deux travaillent ensemble. La Bluebot va se déplacer sur un tapis en suivant une séquence déterminée par l'élève. À l'aide de l'application, l'élève va développer son esprit logique. Il va déterminer à l'avance qu'est-ce qu'il veut faire faire à la petite abeille. Et lorsqu'il aura trouvé ce qu'il veut lui faire faire, il va pouvoir préparer son programme et l'envoyer à l'abeille pour qu'elle l'exécute. Un des avantages de travailler avec la tablette, c'est que l'élève va voir clairement qu'est-ce qu'il est en train de faire et il va pouvoir se corriger au fur et à mesure. La grande variété de tapis qui sont disponibles pour la Beebot sont aussi disponibles pour la Bluebot. Et en plus, ils sont tous disponibles déjà dans l'application. Donc l'élève peut avoir sur son écran le même tapis qu'il a réellement en classe. Et si jamais vous décidez de construire votre propre tapis en classe, vous pouvez le prendre en photo et l'ajouter dans l'application. Comme avec la Beebot, vous pouvez recharger la Bluebot à l'aide d'un fil USB. Ou encore, utiliser la station de charge qui peut charger 6 Bluebot en même temps. La Bluebot, c'est une façon facile et amusante d'initier vos élèves du préscolaire et du primaire au codage et à la pensée informatique. Ici Marc-André Caron, formateur chez Brouille-Boutillier. À la prochaine!